In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Judica me Deus et discerne causam miam regente, non santa abomine iniquo doloso ero e me. Emite lucem tuam et veritatem tuam ipsam, et reduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Confitebor tibi incitara Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea et quare conturbas me. In gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Introibo ad altare Dei. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Confiteor de Onnipotenti, Beate Marie, Semper Virgini, Beate Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostolis Petru et Paolo, Omnibus Santis et Vobis Fratres, cui affettavi in miscogitazione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beata Michelem Arcangelum, Beata Ioan Battistam, Santus Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Santos et Vos, Fratres, Sorare, Promea, Dominum Deum Nostrum. Amen. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Deus tu conversus vivificabis nos. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum Domus. Domine exaudi orationem meam. Et clamamus et veniam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Oremus. Os iusti meditabitur sapientiam et lingua eius loquetur judicium, lex Dei eius in corde ipsius, alleluia, alleluia. Noli emulari in malignantibus, neque deraveris facientes iniquitatem, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Os iusti meditabitur sapientiam et lingua eius loquetur judicium, lex Dei eius in corde ipsius, alleluia, alleluia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad destram Patris miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Santo Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Oremus. Deus qui ad Christianam pauperum erudizione metade juventam in via veritatis firmandam Sanctum Ioannem Battistam confessorem excitasti et novam per eum in ecclesia familiam collegisti, concede propitius ut eius intercessione et exemplo studio glorie tua in animarum salute ferventes, eius in celis corone participes fieri valeamus.
Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Lectio Libri Sapientiae. Lecture du livre de l'Ecclésiastique. Heureux l'homme qui s'est trouvé sans tache, qui n'a pas couru après l'or et n'a pas mis son espérance dans l'argent et le trésor. Qui est-il? Et nous ferons son éloge, car il a accompli des merveilles pendant sa vie. Lui qui a subi cette épreuve et en a triomphé, il aura une gloire éternelle. Lui qui a pu désobéir et n'a pas désobéi, faire le mal et ne l'a pas fait. Aussi ses biens seront affermis dans le Seigneur et toute l'assemblée des saints parlera de ses aumônes. Alleluia, alleluia, beatus vir qui suffer tentationem quoniam comprobatus fuerit accipiet coronam vitae, alleluia. Amavit eum Dominus et ornavit eum stolam gloriae induit eum, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spirito. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi Domine. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il dit: en vérité, je vous le dis, si vous n'échangez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais quiconque se fait petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et qui reçoit en mon nom un enfant comme celui-là, c'est moi qui le reçois. Là où est-ce que tu es, Christ ? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons aujourd'hui Saint Jean-Baptiste de La Salle, un saint qui nous est très proche à cause du combat que nous devons mener pour essayer de restaurer la civilisation chrétienne. En effet, ce grand saint a consacré sa vie à l'éducation, à l'instruction des enfants pauvres, bien conscient que c'est par ces moyens qu'on peut former les hommes, les chrétiens de demain, qui pourront avoir une influence dans la société et dans l'Église. Saint Jean-Baptiste de La Salle, né à Reims le 30 avril 1651, on peut dire qu'il est contemporain de la fondation de notre Église, car la première pierre de cette église a été posée quelques années après sa naissance. Et il était d'une famille noble, des juristes, aîné de 11 enfants. Voyez comment Dieu choisit ses saints bien souvent dans les familles nombreuses. La famille nombreuse a toujours été la gloire de l'Église catholique. Les parents qui savent s'unir dans les mariages, dans ce grand idéal d'accepter tous les enfants que Dieu voudra bien leur donner pour les éduquer, pour en faire d'autant de lieux pour le ciel. Et son père le destine à une carrière juridique, mais Jean sent très vite la vocation religieuse. Il n'hésite pas à tout quitter, cet avenir qui s'est présenté devant lui, fait de facilité, de richesse, de gloire, pour répondre
à l'appel de Dieu. Jésus avait dit dans l'Évangile, ne cherchez pas à accumuler un trésor sur terre. Il y a les voleurs qui peuvent les prendre, la rouille qui peut les détruire, mais un trésor dans le ciel. Et le trésor, c'est faire la volonté de Dieu, surtout répondre à l'appel de la vocation. Et Saint Jean-Baptiste l'avait bien compris. La croix frappera à la porte de la famille de La Salle. En effet, à l'âge de 18 ans, Saint Jean-Baptiste va devenir orphelin. Mais quand la croix frappe à la porte d'une famille, elle amène aussi des grandes grâces. Car quand Dieu permet l'épreuve, il est auprès de nous pour nous aider à le soutenir. Il porte la croix avec nous si nous cherchons de vivre unis à Dieu. Et tout en répondant à son appel, après ses études, il va s'occuper de l'éducation de ses frères et sœurs. Ce sera son premier apostolat. Deux parmi ses frères vont devenir prêtres et une sœur religieuse. Il fera ses études à Paris, à la Sorbonne et au séminaire de Saint-Sulpice, dont la spiritualité va le marquer très profondément. Dans sa ville natale, on lui confie la fondation d'écoles paroissiales pour enfants pauvres. Et c'est là que va naître sa vocation d'éducateur et de fondateur des congrégations. Il commence à loger chez lui certains instituteurs pauvres. Il s'aperçoit que ce qui manque le plus aux enfants et aux écoles, ce sont des instituteurs bien formés. Et il va décider de fonder donc une congrégation de frères laïcs, donc religieux, mais qui ne deviendront pas prêtres, soumis à une règle et aux trois vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, mais qui vont se consacrer totalement à l'éducation, à l'instruction religieuse des enfants. Ce sera donc le début de frères des écoles chrétiennes. Il devra faire face à d'innombrables épreuves, car c'est par l'épreuve que Dieu forge les saints, c'est par l'épreuve que Dieu forge les chrétiens, et c'est dans les épreuves que nous pouvons grandir dans la pratique des vertus et dans l'obtention des grâces pour nous, pour les âmes. Mais soutenu par la grâce de Dieu, il va réaliser donc cette œuvre et fonder les Frères des écoles chrétiennes en 1680. Pour donner une formation religieuse à ses frères, il va fonder un noviciat en 1692 à Vaugirard et à Reims plus tard. C'est là qu'il va fonder son séminaire, qui va constituer une véritable école normale d'instituteurs. C'était une grande innovation pour l'époque. Une école pour former des instituteurs qui se consacreront totalement donc aux enfants et aux enfants pauvres pour leur donner une instruction gratuite. Vers la fin de sa vie, il va se démettre de ses fonctions de supérieur, donc de la nouvelle congrégation qu'il avait fondée, après avoir rédigé de nombreux manuels aussi scolaires pour aider ses frères dans leurs tâches. Et il va quitter le monde en laissant une congrégation développée qui déjà couvrait, on peut dire, toute la France. Il sera canonisé dans l'année 1900 par le pape Léon XIII et le pape Pie XII en 1950, va le nommer patron de tous les éducateurs. Je vous disais que ce saint est pour nous un grand modèle, surtout dans l'époque que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que toutes les sectes d'inspiration maçonnique qui essayent de détruire la société chrétienne ou les restes de la société chrétienne et de l'Église ont commencé par l'éducation, pour essayer de s'emparer de l'éducation, de la formation des écoles
et empêcher l'Église de réaliser sa mission d'éducatrice. Jésus avait donné aux apôtres l'ordre d'aller prêcher toutes les nations, prêcher la foi, la bonne doctrine, pour permettre donc au peuple d'acquérir les vertus nécessaires pour qu'une certaine paix sociale soit réalisée, surtout pour qu'un jour les hommes puissent avoir accès à la vie éternelle. Et la société chrétienne était fondée sur l'enseignement de l'Église qui en tenait totalement les rênes. On peut dire que ceci est résumé par ces traités des études des Rollins, donc au XVIIIe siècle, en 1726, qui proclament que la fin de toutes nos instructions doit être la religion. Donc toutes les matières doivent être ordonnées vers la religion, d'une certaine façon. Pourquoi ? Parce que le but de l'homme, c'est la vie éternelle. Et l'État doit aider l'Église à réaliser ce but. Et toutes les sectes antichrétiennes, je vous disais, se sont attaquées à ces principes. Déjà, avant la Révolution française, ils sont parvenus à faire expulser l'ordre des jésuites, à faire même supprimer l'ordre religieux des jésuites qui gardait l'éducation des élites. Un célèbre historien, Barguel, qui a écrit un livre, donc, sur le rabbinisme, disait que si les jésuites n'avaient pas été supprimés, on ne serait pas parvenu à la Révolution française. Et l'importance de l'éducation, de l'instruction, et par les lumières, par les pseudo-lumières au néon, des révolutionnaires qui ont engendré ensuite la Révolution française, on essaye d'affirmer ces faux principes que l'éducation doit revenir à l'État qui doit être laïque et donc athée. Et tous ces faux principes parviendront, comme vous le savez, à ces combats entre les deux France, la France catholique et la France laïque antichrétienne, les deux écoles, la lutte des écoles, qui les révolutionnaires parviendront avec la Troisième République, avec Jules Ferry en 1880, à supprimer les congrégations religieuses et à même les expulser pour qu'elles puissent pas exercer leur rôle donc d'enseignante. C'est un combat à la vie, à la mort. Et ce combat continue aujourd'hui, bien sûr. Pour restaurer une société, une civilisation chrétienne, il faut passer par l'école catholique. Nous devons le comprendre. Ce n'est pas facultatif pour les parents de choisir une école plutôt qu'une autre, de confier leurs enfants à une école laïque, athée, où pendant 12 ans, ils vont recevoir un enseignement comme si Dieu n'existait pas, avec des matières où on ne parle pas de Dieu. Quand on ne nie pas l'existence de Dieu, avec tous les faux principes de l'évolution, autre chose, quand on n'enseigne pas les péchés carrément par ce qu'on appelle, hélas, l'éducation sexuelle, c'est un devoir moral grave de faire le choix des bonnes écoles. Et ce devoir moral était rappelé d'une façon très claire par le pape Pie XI dans son encyclique « Divini Illius Magistri », qu'il disait que c'est un devoir des parents chrétiens de refuser ces écoles dans lesquelles il y a péril qu'ils boivent le funeste poison de l'impiété. Et Monseigneur Lefebvre lui-même nous incitait à ce combat pour les écoles catholiques. Parmi les statuts de notre fraternité, parmi les buts de notre fraternité, il y a celui de fonder des écoles catholiques, vraiment catholiques. Et dans son célèbre sermon, dans son jubilé sacerdotal, il disait « Si les écoles corrompent vos enfants, qu'allez-vous faire ? Les donner aux corrupteurs, eh bien cela est impossible. Cela est impossible pour des parents vraiment chrétiens. »
Alors, il est très important, à l'occasion de la fête de ces grands saints, de nous rappeler ces devoirs, de soutenir les écoles vraiment catholiques, de leur confier nos enfants pour qu'ils en fassent vraiment des chrétiens, formés profondément dans un esprit de foi et aussi, du point de vue intellectuel, qu'ils puissent avoir tout un bagage qui leur permet ensuite de transformer la société dans laquelle nous vivons, une fois qu'ils seront adultes, à la lumière justement de ces principes, des principes de la foi. Eh bien, demandons à Saint Jean-Baptiste de la Salle, à la Sainte Vierge, qu'il puisse y avoir toujours davantage des écoles chrétiennes, des âmes généreuses qui répondent à l'appel et qui se consacrent à Dieu pour devenir prêtres ou alors religieux, qui puissent enseigner de telle façon à pouvoir former l'âme de ses enfants et contribuer à engendrer, nous l'espérons, un jour une société de nouveau intégralement chrétienne, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Oremus. Veritas mea et misericordia mea cum ipsat in nomine meo exaltabitur cornu eius. Alleluia. Orate, fratres. Patrem omnipotentem. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu. Sursum corda. Abemus et Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Ignum et justum est. Vere dignum et justum est equum et salutare te quidem Domini omni tempore. Sed in ac potissimum die, sed in ac potissimum gloriosus predicare cum Pascha nostrum immolatus est Christus,
Ipse in veros est agnus qui abstulit peccata mundi, qui mortem nostra moriendo destruxit et vitam resurgendo reparavit. Et ideo cum angelis et arcangelis cum tronis et dominationibus cum quae omni militia celestis exercitus in un gloriae tuae canimus sine fine dicentes. Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Oremus precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malum. Per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Confiteor de Vivendi, Vete Marie Saint-Pervin, Vete Mica, Angio, Vete Baptiste, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Sui Pater, Tote Canis, Tote Canis, Arbo et Tope, Mère Soupa, Mère Coupa, Mère Maxima Coupa, Vigo Frequent, Vete Marie Saint-Pervin, Vete Mica, Angio, Vete Baptiste, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctus et Sui Pater, Orai, Promet Domino Vivendi,
Miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Ecce annus Dei, ecce qui tolli peccata mundi. Domine nostrum dignus finque suttectum meum, se tantum vi plergo et sanabitur anima mea. Domine nostrum dignus finque suttectum meum, se tantum vi plergo et sanabitur anima mea. Domine nostrum dignus finque suttectum meum, se tantum vi plergo et sanabitur anima mea.
Beatus servus, cum convenerite Dominus in venerite vigilante, mamen dico vobis, super omnia bona sua constitue Teum. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spirito. Oremus. Refecti cibo potuque celesti, Deus noster, te supplices exoramus, ut in cuius e commemoratione percepimus, eius muniamur et precibus. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spirito tuo. Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spirito tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et in ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebream non comprenderunt. Fuit homo missus ad eo, cui nomine erat Ioannes, sic venit in testimonium, ut testimonium periverete de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periverete de lumine erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in mundum. Il mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venite sui eum non receperunt, corput autem receperunt eum, deditis potestatem filius Dei fieri. Iis qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viris, et ex Deo nati sunt, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.